Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien les amis. Écoutez, moi ça va super, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de nettoyer votre PC. Je me suis dit, bon allez, c'est le week-end, c'est les vacances, on a tous besoin évidemment d'un PC qui est vraiment performant et de cette manière évidemment vous aurez beaucoup moins de bugs et de lag. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira et je vous le dis maintenant les amis, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater tous les prochains et nombreux tutos sur PC qui j'espère évidemment vous aideront le plus possible. Maintenant commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti. Dans un premier temps les amis, vous aurez tout simplement besoin d'un logiciel qui se nomme Shold Aeromovit. Je vous laisserai évidemment dans la description de la vidéo un lien pour le télécharger, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais sachez évidemment que ce n'est pas sponsorisé et il est totalement gratuit. Donc vraiment tout ça pour vous dire en fait que c'est moi qui l'utilise et je me suis dit pourquoi évidemment ne pas vous le partager à vous. Et j'espère évidemment que ça vous aidera un maximum. Maintenant les amis, une fois évidemment que vous l'aurez bien téléchargé et installé, au lancement vous allez constater que vous aurez toutes les applications et tous les logiciels qui apparaîtront directement sur ce logiciel. Maintenant il vous suffira simplement de cliquer pourquoi pas sur quelque chose, puis ensuite si vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffit simplement de cliquer sur qu'est-ce que c'est, en anglais what is it. Mais ensuite si vous avez quelque chose qui prend de la place inutilement, que vous ne voulez plus, il vous suffit simplement de cliquer juste à droite sur désinstaller et de cette manière évidemment ça partira tout seul automatiquement, ce qui est tout de même super intéressant. Vraiment il y a énormément d'applications qui prennent de la place, qui prennent surtout en fait des performances et qui créent évidemment des bugs et des lags sur l'ordinateur. Donc essayez pourquoi pas de supprimer quelques logiciels qui sont totalement inutiles pour vous et de cette manière évidemment l'ordinateur devrait beaucoup plus fonctionner par rapport à avant. Maintenant moi de mon côté j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, moi ça me fera super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez bye tout le monde.